Salut à tous, c'est Chris. De retour de congé, je me lance dans les vidéos. Et malgré un virus qui est tenace, bien écoutez, la fatigue est là, mais j'ai tellement de boulot, tellement de choses à présenter, on m'a envoyé tellement de choses, tant mieux, mais voilà, il y a du boulot qui s'accumule. Et même si c'est pas la forme, mais écoutez, il faut s'y mettre, donc je m'y mets. Et la première chose que je vais vous présenter, on va faire déjà une revue rapide, test comme d'habitude caméra, lecteur d'empreintes, ce genre de choses, aperçu rapide de l'appareil. J'irai dans le détail par la suite parce qu'il y a tellement de choses. Si je me lance tout dans le détail tout de suite, ça va s'accumuler et du coup, ça va être dur. Donc, le premier téléphone que je voulais vous présenter pour cette rentrée, c'est un téléphone qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Je les en remercie. C'est le tout nouveau Ulefone Metal. Voilà, c'est celui-ci. Alors, effectivement, il est fait de métal. C'est un 5 pouces avec un lecteur d'empreintes. Eh bien, écoutez, on va le regarder tout de suite en détail. Revue rapide. Vous me suivez et puis on aborde ce téléphone tout de suite. Alors, que vaut ce Ulefone Metal? Ulefone Metal, Ulefone qui est revenu donc vers un modèle beaucoup plus simple après son futur qui a donc subi quelques ratés, on va dire. Un métal qui annonce en fait peut-être l'après Ulefone où il risque très certainement d'intégrer du châssis tout métal sur leur futur téléphone. Alors, ce Ulefone Metal, c'est un 5 pouces. Simple, équipé d'un MTK 6753, donc quand même un 8 cœurs, ce qui n'est pas inintéressant. On a 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, un lecteur d'empreintes à l'arrière. Vous avez une caméra arrière de 8 mégapixels interpolée en 13 avec une double LED pour le flash. Ensuite, la caméra avant, c'est une 2 mégapixels interpolée en 5. Alors, les caméras, on les testera rapidement lors de cette revue. Vous verrez que, bon, voilà, ça fonctionne. Mais ce n'est pas non plus, par exemple, la caméra du futur, hein, qui est une 16 mégapixels. Là, en ce moment, on recommence à faire des smartphones avec de l'interpolation à fond. Et ce n'est pas ce qui me plaît le plus, personnellement. Donc, sur le dessus, vous avez un jack 3.5. Sur le dessous, pas de haut-parleur parce qu'il se trouve ici, sur la face arrière, et sur le dessous, vous avez juste la prise USB, micro USB. Donc, tout de suite, ce que vous pouvez voir, c'est que même si j'ai les mains un peu grasses à cause de la chaleur, vous le voyez, les belles empreintes, elles marquent terriblement. Voilà, vous les voyez bien. Donc, lingette obligatoire. Ou alors, je vous conseille d'installer, même si la dalle est en Gorilla Glass 3, mais toutefois, je vous conseille d'installer une protection de l'écran en verre avec traitement anti-fingerprint, anti-empreinte, ce qui permettra à la fois de ne pas trop marquer les empreintes sur l'écran et en plus de le protéger. Maintenant, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Alors, nous allumons ce téléphone. Pendant qu'il démarre, on va regarder rapidement la boîte. Une boîte plutôt jolie, hein, très, très sincèrement. Voilà, une boîte à tiroir. C'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Et voilà ce que vous avez dedans, le strict minimum. Et le chargeur, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Un chargeur de 1 ampère, donc pas de super batterie dans ce téléphone, puisque nous sommes en présence, que je me souvienne, d'une batterie de 3000. Alors, une batterie de 3000 avec un chargeur de 1 ampère, ça peut paraître étonnant. Bon, donc écoutez, ça mettra le temps que ça veut pour charger. Mais ce n'est pas de la charge rapide, me semble-t-il, qui est annoncée. Je n'ai pas fait le test encore parce que j'ai reçu tellement, tellement de choses et ayant été pas mal malade, donc je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Alors, au niveau de l'interface, l'écran est plutôt agréable à l'œil, lumineux. Donc par contre, on aime bien faire du noir-noir.
Alors, je vais changer le fond d'écran et vous mettre quelque chose de plus lumineux. Voilà, comme ça vous voyez bien les bordures. Vous voyez qu'elles sont quand même assez. Alors, le truc, c'est qu'on se demande si elles sont épaisses ou pas, parce que en fait, le cadre ici que vous voyez, c'est fait vraiment partie du cadre qui est tout autour ici. Et donc, on voit très peu les bordures d'écran finalement, puisqu'elles sont prises dans ce cadre noir qui est assez épais ici. Donc, vous n'avez pas de bouton rétroéclairé, vous le voyez, hein, ce ne sont que des boutons métallisés. Alors, vous avez de l'Android 6 avec une customisation très légère qui rappelle un peu ce que d'autres ont sorti, tel que Ligoo avec son lecteur de musique façon platine tourne-disque, l'affichage des différentes photos et autres prises avec la caméra du téléphone, bref, rien de particulier. Voilà, Android 6 pur. Vous voyez d'ailleurs que je n'y ai installé encore aucun outil de test, puisque je l'ai déballé et juste regardé rapidement. Donc je voulais vous en faire effectivement la revue. Alors, première chose que l'on peut vérifier tout de suite, c'est la configuration du téléphone. Alors vous voyez qu'au niveau des paramètres, ils ont personnalisé l'interface. Alors je dis pourquoi pas, c'est en couleur, c'est aussi bien séparé que sur l'Android stock, c'est assez propre. Au niveau de la batterie, on peut afficher donc le pourcentage, je l'affiche. Au niveau affichage, adaptation de la luminosité automatique. Au niveau Miravision, on va vérifier quels sont contraste dynamique, si on les met en place, ça change légèrement, vous le voyez. Voilà, on va laisser en contraste dynamique, ce qui permettra peut-être de voir des choses plus agréables sur l'écran, peut-être moins de grisaille. Alors vous le verrez par contre, ce téléphone, bien entendu, pardon, pour tirer les prix, il n'y a donc aucun rétroéclairage des boutons, pas de LED de notification. Par contre, je l'ai testé, il est OTG. Je peux vous le montrer tout de suite d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Ça sera vraiment une revue peut-être un peu plus détaillée hors performance, sachant qu'aujourd'hui, vous le voyez, voilà, ça clignote. Lecture ici en haut à gauche, donc il n'y a pas de souci, il est bien OTG ce téléphone pour ceux qui désireraient un téléphone OTG. Alors, ici, vous avez le tiroir qui n'est pas sans rappeler, si vous vous souvenez un peu, le Bluebooth. J'ai oublié son nom d'ailleurs. J'en avais fait la revue, il m'avait énormément déçu ce téléphone. Bref, mais ce n'est pas sans rappeler un peu la forme de ce tiroir façon Bluebooth de l'époque. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, beaucoup, beaucoup de jeux, vous le voyez, ici, dans la façade du tiroir, énormément, énormément de jeux. Ce n'est pas pour dénigrer, mais ça fait vraiment très fragile. Et on peut se poser la question de la durée de vie de la façade de ce tiroir. Bref. Alors, un tiroir a tout de suite deux empreintes. Donc la micro SIM ou micro SD ou micro SIM SIM. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. Et voilà, il se réinsère assez facilement, correctement, c'est propre. Bon, maintenant, ça suit le mouvement du châssis. Pourquoi pas, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Bon, bref. Alors ce qu'on va pouvoir regarder tout de suite, ça va être la sécurité. On va configurer tout de suite le lecteur d'empreintes. Alors, sécurité, système, où c'est qu'ils l'ont mis la sécurité? Sécurité ici. Voilà. Alors, une empreinte digitale, continuer. On va se mettre un code PIN simple.
Ok, suivant, on localise le lecteur d'empreintes. J'ai dit suivant, voilà. Et on fait la lecture. Voilà. Ok. Alors, verrouillage, blablabla, toc, on va déverrouiller. Pour la première lecture, ok. Bien écoutez. Ah, je triche pas, hein, je mets pas mon doigt dessus, hein, voilà, je le pose à côté. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, on revient vers du lecteur d'empreintes simple et classique. Contrairement au futur où il y a des ratés, mais ça fonctionne une fois sur 20. Là, au moins, ça fonctionne à tous les coups. Donc, c'est un bon point. Smartphone à environ 100 euros, ça, c'est déjà un bon point. Alors, il y a cet outil que je ne supporte pas, que Ligou avait intégré aussi. Qui est un bouffe-mémoire, qui est vraiment inutile. Je vous montrerai en fait comment le désactiver par la suite, parce que je trouve ça vraiment inutile et vraiment plutôt embêtant. Bon, maintenant, chacun ses goûts, voilà. C'est un outil de raccourci. Donc, maintenant, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais bon, voilà, appareil photo, l'encre, là, non, c'est même pas, c'est la lecture des vidéos. Voilà, donc... Oups. Hop. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je trouve ça vraiment inutile. C'est mon avis personnel. Ah, donc, le lecteur d'empreintes, vous avez vu, il fonctionne plutôt correctement et même très correctement sur ce smartphone quand même simple. Mais, on va dire d'une finition quand même plutôt agréable. Il n'y a pas de défaut majeur visible, en tout cas à l'œil nu, ou alors après il faudrait prendre le microscope pour vérifier le collage ou ce genre de choses, voire le démonter pour vérifier l'intérieur. Mais au toucher, ce que j'aime bien moi, c'est vraiment, voilà, ça, et il n'y a pas de creux, il n'y a rien, donc c'est vraiment du bon montage. Il n'y a rien, ça, il n'y a pas de craquement sous les doigts, sous la coque en métal, donc ça, c'est plutôt bon signe. Ensuite, donc vous l'avez vu, si j'insère la prise USB, voilà, ça tient correctement, donc il n'y a pas de souci, c'est vraiment, ça s'enclenche correctement. Moi, le casque, je teste très très peu pour la simple et bonne raison, c'est que j'utilise que du casque Bluetooth, donc il faudrait que je prenne un jack 3.5 et tester, mais bon, maintenant j'utilise que du Bluetooth, donc voilà. Alors le premier gros défaut, c'est ça, c'est l'écran, hein, le marquage des empreintes dessus. Ensuite, les premiers gros défauts, pas de LED de notification et pas de bouton rétroéclairé. Et ce qu'on va faire, c'est tout de suite tester la caméra et vérifier ce qu'elle vaut ensemble. Avant un test, bien sûr, grandeur nature dans la nature, et vérifier ce qu'elle vaut réellement, cette caméra de nuit, ce genre de choses. Alors, donc je le rappelle, hein, la caméra arrière, c'est une 8 interpolée en 13, une mise au point assez rapide, mais j'ai l'impression que le flash est un peu violent. Et oui, oui, ça blanchit très 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 clairement la photo. Alors, je vais retirer le flash et je pense que la photo va être beaucoup plus agréable. On recommence. Voilà, et je vais me mettre sur un mode HDR sur la deuxième. Alors, la première ici que je vous affiche, elle est en mode HDR. Et c'est un peu palot, je trouve. Même si c'est net, je la trouve un peu palote. Alors, je vais me reculer de cette façon. Ouais, c'est un peu palot, hein, c'est clair. Alors ça, c'est mode HDR, sans mode HDR, ici.
Eh bien écoutez, moi je préfère sans le mode HDR, très clairement. Regardez les couleurs. Voilà. Donc sans mode HDR, sans flash, et le mode HDR. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. C'est pas tip top en mode HDR, c'est vraiment très 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 pâlot. Il rajoute cette luminosité qui est inutile. Et là, très clairement, sans mode HDR, elle est vraiment très sympa cette photo. Bon, bref, c'est sûr, c'est de l'interpolation, mais il y a quand même une netteté qui est là. Et vous le voyez, s'il n'y a pas de flou, il n'y a pas de trouble autour ici. Donc, c'est plutôt un premier aperçu plutôt agréable à l'œil, en tout cas. Et il faudra le voir dans la nature avec les tests habituels que je fais. Pour voir ce que cela donne. Eh bien écoutez, avant donc le grand test avec l'ensemble des tests techniques, on va dire, voilà le premier aperçu, revue rapide de ce Ulefone Metal. Et bien écoutez, moi je vous dis, voilà, bienvenue aux nouveaux, puisque j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui se sont abonnés, donc merci à vous. Bon retour de congé aux autres. Et à vous tous qui revenez et allez reprendre le travail très certainement, ou pour ceux qui l'ont déjà repris, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air, un commentaire, bien entendu, et à partager à vos amis, et surtout à vous abonner. Eh bien écoutez, moi je vous dis, portez-vous bien, sur ce, à ciao et à la prochaine.